La question qu'on m'a souvent posée, monsieur, quelle Bible faut-il acheter? Et donc il n'y a pas de réponse, de bonne réponse, de réponse toute faite à cette question-là. Tout dépend pour quel public. Si vous vous adressez à un public d'enfants, il faut évidemment avoir des Bibles adaptées pour des enfants. Si vous vous adressez à des gens qui étudient la Bible, il faut une Bible d'étude, une traduction qui soit la plus rigoureuse possible. Il ne s'agit pas seulement de traduire des mots, il faut traduire un sens, et donc donner au lecteur un sens à entendre. Des suggestions de lecture auxquelles... Il est très difficile de trouver la bonne traduction. On s'imagine souvent que la traduction littérale, c'est la traduction idéale, la plus précise, la plus fidèle. Mais il y a des cas où traduire littéralement aboutit à des résultats non seulement stylistiquement, littérairement peu convaincants, mais aussi peut aboutir à des contresens. Alors, je dirais qu'une traduction comme la Bible en français courant, a fortiori, n'a pas les promesses de l'éternité. Parce que le français courant, c'est le français tel qu'on le parle aujourd'hui, et dans 10 ans, on parlera un autre français. Et donc, pour ce type de traduction, il est nécessaire de réviser régulièrement. Mais donc, ce que l'on m'a demandé, moi, c'est de réagir sur une traduction existante. Et non pas en tant que destinataire de cette traduction-là, mais à partir de la compétence qui est la mienne. Et donc, de dire, attention, ici, c'est très compréhensible pour votre public, mais ce n'est pas ce que dit le texte hébreu. Elle a été très critiquée. Mais je trouve que dans le concert des traductions existantes, elle occupe une place unique qu'elle doit continuer à occuper. Il y a dans la Bible en français courant des expressions tout à fait originales que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Il y a des perles dans la Bible en français courant, et moi je suis très admiratif devant l'effort qui a été réalisé par les traducteurs de la première génération pour sortir des traductions convenues. Je dirais que ça doit exister parce qu'il y a un public pour cette traduction-là. Toutes les langues sont des langues de destination parce que la parole de Dieu doit être accessible à tous et chacun. Mais je trouve personnellement que oui, c'est une belle langue et il y a des traducteurs qui savent établir une alliance de paix entre les langues sources et cette langue cible qu'est le français.